et qu'il est bon et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Dans les 12 régions ecclésiastiques de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, se passe une forte mobilisation, celle des préparatifs des conventions régionales des JAD au sein de cette Église. Alors, sur ce plateau aujourd'hui, nous accueillons le comité de la région Golfe-Est au sein du département des jeunes. Alors, pour savoir de quoi nous allons parler, je vous demande de nous retrouver tout à l'heure. Bonjour jeune sentinelle, merci d'être encore au rendez-vous de votre émission Un regard sur la Bible. Alors dans cette émission d'aujourd'hui, nous parlons des conventions qui attendent les jeunes. Alors, je le disais tantôt que nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui le comité de la JAD région Golfe-Est. Ne soyez pas surpris, c'est une seule personne qui est là pour des raisons diverses. Alors je m'en vais vous présenter cette personne qui est là. Monsieur Moté, bonjour. Bonjour Madame Morse. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien, par la grâce du Seigneur. Alors, merci de répondre à notre invitation. Alors, vous êtes membre du comité de la JAD région Golfe-Est. Et ce matin, en fait, c'est vous qui représentez ce comité. Dites-moi, pourquoi est-ce que c'est vous seul qui représentez le comité aujourd'hui? Merci beaucoup. La Sœur Maussé, merci effectivement, comme vous l'avez déjà dit, c'est la région Golfe-Est qui organise une convention, un camp régional à Bobo. Et donc, vous me faites partie du comité pour dire en réalité, nous sommes deux ici, je suis donc pas seul. Voilà. Et puis, je m'avais dit tout simplement que les autres sont à pied d'œuvre. Hier, nous étions à Bobo pour voir comment la PATAM est en train d'être érigée. Et ce matin, les autres sont allés là pour finaliser les choses parce que demain, les choses sérieuses vont commencer. Donc, il va falloir que les choses soient au point et pour que demain, on puisse commencer les activités. Donc, c'est pourquoi ce matin, ils m'ont délégué, ou bien le comité m'a délégué. Exactement. De le représenter ici. Maoussé et moi. Ah oui. Alors, chers téléspectateurs, sur ce plateau, M. Evignon n'est pas seul. Il est accompagné, il est avec moi parce que je fais partie de ce comité régional des jeunes, par la grâce de Dieu. Et donc, les autres sont vraiment sur le chantier. Ils abattent une grande œuvre là-bas parce que ce n'est pas facile. La dernière fois, on y était. Monsieur Monté, je crois que c'était le... Oui, c'était le mercredi passé. Oui, le mercredi passé. Oui, demain fera 8 jours que 8 jours, exactement. Pour qu'on puisse voir comment les choses évoluent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Exact. Ce n'est pas facile d'organiser un camp pour près de 3 à 4 000 jeunes, il faut vraiment du boulot. Et donc, il va falloir que le comité aille de temps en temps sur le site pour voir les préparatifs, comment s'il faut faire, comment s'il faut s'y prendre pour que la chose puisse bien se passer. Voilà. Et parce que déjà hier, je voyais sur certaines images la PATAM qui était vraiment en pleine construction là. Oui, hier nous étions là-bas avec le directeur, le trésorier et moi-même. Nous étions là-bas et j'ai fait une petite vidéo qu'on a balancée sur bien la plateforme. Sûr. Et c'est pour montrer aux jeunes que les choses vraiment évoluent là-bas, vraiment d'une manière vertigineuse. Et ce matin également, ils sont encore en train déjà. Je suis sûr que déjà jusqu'au soir, on doit mettre les bâches, on doit mettre en place la solarisation, l'électrification, tout pour que demain, les choses sérieuses puissent commencer. Voilà. Nous parlons de la construction de la PATAM et tout, mais il va falloir quand même qu'on sache quand se déroule cette convention, n'est-ce pas, M. Monté? Oui, effectivement, merci. La convention, c'est à partir de demain. C'est du 7 au 11. On commence demain, mercredi, et puis on finit le dimanche, le 11, dans l'après-midi, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que déjà vous sentez une mobilisation au niveau des jeunes? Oui, ça, ce n'est plus à dire parce que nous avons la plateforme des jeunes. Les jeunes, d'abord, vous êtes en train de faire un travail en amont. Il y a la secrétaire financière qui est ici, la journaliste ici. Elle ne cesse d'envoyer des choses sur la plateforme. Les affiches. Oui, les affiches sur la plateforme des jeunes qui leur permet aussi de réagir. Les alertant que voilà, il y a un événement inédit qui se prépare. Exact. Et effectivement, les jeunes se préparent parce qu'ils appellent de gauche à droite. D'ailleurs, même nous étions là-bas hier. Certains jeunes étaient là pour chercher des logements, Des logements. Et puis, etc.
Mais nous leur disons d'abord qu'il y a le lycée, il y a le lycée qui est donc réservé aux jeunes. Hier, nous avons fait un tour là, il y a 4 bâtiments qui vont donc abriter les jeunes. Et il ne faut pas que les jeunes s'affolent de là où il faut se coucher, se lever et puis venir au camp. Mais il faut dire aussi qu'il y a certains jeunes qui sont vraiment très, très habiles. Déjà, la dernière fois qu'on y était, il y avait des gens qui étaient venus pour chercher des logements. Oui. Et j'ai dit, quand on s'était un peu renseigné, on nous a dit, cette chambre est déjà prise et celle-ci aussi est déjà prise là. Mais c'est de la vigilance, je pense bien. Oui, parce qu'à Bobo, pour dire, c'est juste Lomé ça. Parce que ce n'est pas l'heure de Lomé. Donc, on sait que les jeunes iront. Mm-hmm. Iront en nombre suffisant. Ils iront en nombre suffisant. Donc, ceux-là qui sont habiles, ceux-là qui savent qu'il faut chercher un logement adéquat pour eux, pour être à l'aise, afin de pouvoir suivre les enseignements meublant donc, cette convention, sont déjà donc allés chercher des logements. C'est vrai qu'on a des logements pour eux tous, mais il y a certains qui veulent encore plus être à l'aise dans de petites chambres, etc. Et puis, ils vont vraiment. Oui, c'est ça. Alors, nous parlons de la PATAM, nous parlons de la date où se tient la convention. Je sais que vous en avez fait mention, mais une précision vaut quand même la peine. Oui, la convention se tient dans le village d'Abobo, dans la commune Zio 1. Et puis, c'est à peine à 18 km de Lomé. À 18 km de Lomé. 18 km de Lomé. Hier, quand j'ai chronométré, ça fait 18 km de Lomé. Alors, il faut préciser aussi qu'à Bobo, le site sur lequel la convention va se tenir... Voilà. Le site sur lequel se tient la convention est un site pour les églises d'Assemblée de Dieu. C'est un site que le comité régional... des églises Assemblée de Dieu en tête révérend Tchadao Madatina avait acheté et ils sont en train de mettre en place les structures et c'est là où nous faisons d'ailleurs les conventions, c'est là où on avait tenu la convention de Pâques l'année passée et cette année également en mars nous étions là-bas également pour la convention de Pâques. Alors, il faut aussi préciser que le domaine s'étend sur plusieurs hectares. Oui, le domaine s'étend sur 7 hectares. Oh, voilà. C'est sur 7 hectares, oui. D'accord. 7 hectares. Voilà. Donc, c'est vraiment un très grand domaine. Non, c'est un très vaste domaine. Un très vaste domaine. Il va falloir que nous, fidèles à l'Assemblée de Dieu, nous mobilisons pour qu'on puisse ériger des structures là-bas pour nous permettre dans les années à venir d'être à l'aise pour faire la convention là-bas. Si on a les moyens, est-ce qu'on va encore chercher de logements dans la ville? Non, je pense pas. On construit dedans et puis on est là, on se loue dedans, on se réveille, on se lave et puis on vient sous la patente pour la convention. Exactement. Et moi, je prie vraiment que les autres régions emboîtent le pas parce que c'est vraiment magnifique et parce que l'Église des Assemblées de Dieu est une très grande église et savoir que chaque région au moins a son domaine pour les conventions, les différentes activités. Vraiment ne fera que glorifier le nom du Seigneur. Donc, emboîter notre pas pour pouvoir faire de grandes choses pour le Seigneur. Amen. Monsieur Monté, et quand on parle des conventions, on parle des enseignements, on parle des prédications, on parle de la prière. Alors, cette année, c'est quoi le thème qui est retenu pour la convention? Oui, cette année, on a retenu un thème très important pour les jeunes. Yeah. C'est tiré dans 1 Pierre 2, le verset 9. Il dit, tu es une race élue, attache-toi. Si vous demandez aux fidèles de Bagida, auparavant, quand moi je dirige la prière, c'est un verset là que je cherche de lire. Hein, tu es une race élue, sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que tu annonces à ceux-là que tu es sorti des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. C'est un verset que j'aimais beaucoup. Quand je l'ai vu la fois dernière, j'ai vu que c'est un bon verset qu'on a choisi pour les jeunes. Alors, que pensez-vous que ce verset, enfin, duquel est tiré le thème, va apporter dans la vie des jeunes? Oui, comme le dit déjà le thème, tu es une race élue, attache-toi. Yeah. Ça veut dire beaucoup de choses. Si vraiment les jeunes savent que auparavant ils étaient dans le monde, auparavant ils étaient des idolâtres, auparavant ils étaient ceci, ceci, ceci,
et Dieu leur a fait appel. Ils sont sortis des ténèbres là à l'admirable lumière de Dieu. Ils sont donc une race élue. Mm-hmm. Et cette race élue là leur permet de demeurer des pentecôtistes. Yeah. Et quand on est pentecôtiste, ça voudrait dire qu'on se sépare du monde et mm-hmm. on vit pour Christ. Mm-hmm. Et donc on n'est pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Voilà. Mm-hmm. Alors, à part ce thème général, est-ce qu'il y aura des sous-thèmes à aborder? Oui, il y aura des sous-thèmes, il y aura des enseignements, des communications qui mm-hmm. sont tirées à partir du thème général. Par exemple, le jeudi sera l'ouverture officielle et c'est Rivera Chandao qui est là pour la prédication. Mm-hmm. Après les allocutions d'ouverture du directeur régional, il y a le secrétaire général du bureau exécutif aux élections la fois dernière, Rivera Chandao Madatina. Exactement. C'est lui qui va nous livrer la prédication. Et après ça, dans la soirée, il y aura une communication. Il va nous parler de la sanctification, une exigence pour la race élue. Mm-hmm. Et il y aura également une deuxième communication. La deuxième communication, ça parle de vaincre la convoitise et la fornication. La troisième mm-hmm. communication, le Saint-Esprit comme remède efficace pour l'attachement à l'élection. Mm-hmm. Donc, ces différents sous-thèmes qui seront développés permettront aux jeunes d'être outillés mm-hmm. pour une vie de sanctification au Seigneur. Mm-hmm. Alors, ce seraient des thèmes vraiment interpellants et qui vont permettre aux jeunes de plus s'attacher au Seigneur. Parce que moi, quand j'entends « Tu es une race élue, attache-toi », c'est comme un ordre. En fait, et cet ordre n'est pas tout autre. Hein. C'est un ordre divin, en fait. On te dit que tu es une race élue. C'est comme on te dit aujourd'hui que désormais, tu fais partie de la famille du président. Et tu dis, bah tiens, j'ai gagné le gros lot. Mais là, celui qui a créé le président, c'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te fait appel. Il te dit de t'attacher à lui parce que tu es une race élue. Tu n'es pas n'importe qui, tu as été choisi parmi le lot. Tout le monde, en fait, n'a pas cette chance-là. Des personnes élues ne sont pas des personnes nominées, non. Mais des personnes qui ont pu être sorties du lot parce qu'ils ont rempli certains critères. Et forcément. Donc, si tu es une race élue et que le Seigneur te le rappelle cette année, il va falloir vraiment, vraiment que tu t'attaches au Seigneur. Parce que, vous savez, en tant que jeune, quand on s'attache au Seigneur, on n'est jamais déçu. Les vents vont souffler, les choses vont arriver. Mais la réalité, la vérité, c'est que Jésus nous secoure toujours. Amen. Alors, tu es une race élue. Attache-toi. Et que cette convention, surtout, ne te dépasse pas. Il faut marquer ton territoire parce que c'est très important. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, peut-être tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu dis, j'ai encore plus de temps et j'ai encore beaucoup de choses à faire devant. Mais arrête. Le temps passe vite comme de l'air, quoi. Tu vas te rendre compte que tu as déjà la quarantaine ou tu es déjà la trentaine et tu n'as pas encore joui pleinement de ta jeunesse en Jésus-Christ. Donc, ce sont des moments qu'il faut saisir. Il ne faut pas dire non, il n'y a rien d'intéressant là-bas. Non, il y a des choses intéressantes. Parce que quand on s'attache au royaume, on gagne, on ne perd jamais. Alors, M. Moté, est-ce qu'il y aura des orateurs qui vont aborder ces différents thèmes et sous-thèmes? Oui, nous avons invité plusieurs orateurs qui mm-hmm. seront là. D'abord, le secrétaire général du bureau exécutif, Rivera Chandao. Celui qui vient d'entrer nouvellement dans le bureau. Oui, il est là. Et nous avons également invité le pasteur et vous. D'abord, nous allons parler de nos pasteurs qui font partie du comité. Mm-hmm. Il y a d'abord le directeur régional qui est là, le pasteur Atta est là. Yeah. Il y a le pasteur Agbendou qui est là. Il y a également le pasteur Toko qui est là. Il y a le pasteur Mao Degbe qui est là. Il y a le pasteur Asogba également, qui est de la partie. Mm-hmm. Il y a l'évangéliste, le grand évangéliste de tous les temps. c'est lui qui va vibrer la convention. C'est lui qui va vibrer le camp par sa prédication, etc. Tous les soirs, c'est lui. Mm-hmm. C'est l'évangéliste Djalité Arma. Il est l'invité hôte de la convention. Yeah. Donc, ils sont là. Voilà les différents. Et n'oublions pas même le bureau exécutif, comme le bureau national de la JADS. Yeah. Il y a
les délégués qui seront là pour avoir le calendrier qui nous a été envoyé. Mm-hmm. Il y a le conseiller Aïe Grégoire qui doit être là. Oui, si le directeur c'est lui national... qui est délégué au niveau de la région Golfe Est. Oui, oui, c'est lui qui est délégué chez nous. Mm-hmm. Et si le directeur national même a le temps, comme il est à Lomé, s'il a fini, puis le camp de la convention de Caraïbes s'est déjà passé, on l'a déjà tenu. Mm-hmm. Le directeur devait être là-bas. Bon, s'il est ici, donc il peut nous rendre également visite. Parce que c'est sa région ancienne. Voilà. C'est sa région. Mm-hmm. Oui, c'est en là fait, où. C'était vraiment sa région. Mm-hmm. Là où il était secrétaire général. Voilà. Avant de devenir donc, au rang national. Voilà. Mm-hmm. Donc voilà à peu près les différents pasteurs qui seront là. Mm-hmm. Et puis le pasteur Sacrant aussi sera là pour son enseignement peut-être et puis voilà à peu près. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous parlons du programme, nous allons parler à présent du programme. Le premier jour, l'arrivée c'est quand, M. Monté? L'arrivée c'est demain. C'est demain. L'arrivée c'est demain. Déjà nous, responsables, organisateurs du camp, si on finit, je finis ici tout de suite, dans l'après-midi je dois être encore là-bas pour voir les derniers réglages. Bien sûr. Et nous responsables, nous organisateurs, vous et nous, demain déjà à 7 heures, on doit prendre la route pour être là-bas, mettre les choses au point. Et déjà, dans l'après-midi, déjà à partir de 13 heures, 14 heures, on doit commencer par accueillir les jeunes. Parce que le culte aura lieu à 18 heures. D'accord. Donc, il va falloir que les jeunes, déjà, si les jeunes... sont déjà prêts, déjà à midi, sont déjà là-bas pour s'installer. Déjà, nous, le matin, on arrive là-bas, on met les choses au point, on enregistre déjà ceux-là qui vont arriver. Et le premier venu, le premier servi. C'est ça. Quand une église arrive très tôt, il est servi, on leur donne de bons logements. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, c'est le programme de mercredi. C'est le programme de mercredi, ça. Voilà. Et donc, le jeudi, Le jeudi, c'est l'ouverture officielle. L'ouverture officielle, le directeur régional va livrer son discours d'ouverture. Le révérend Iné. Non, c'est le directeur régional, le pasteur. Le révérend Atta. Après, je vais présenter en entier le comité de la région Golfe Est de la JAD. Et après avoir livré son discours d'ouverture, il y aura les offrandes, etc., etc. Et puis la prédication sera donc dite par révérend Chandao Madatina. Dans l'après-midi, on va assister à un enseignement, c'est ce que j'ai dit. Et cet enseignement va nous parler de la sanctification, une exigence pour la race élue. Voilà. Et le vendredi sera un jeûne de prière, comme d'habitude, à toutes les conventions. Le vendredi est toujours réservé pour le jeûne et prière. Et puis ce jeûne et prière-là est marqué par deux enseignements. Deux enseignements. Le premier va nous parler de vaincre la convoitise et la fornication. Et le deuxième enseignement va nous parler du Saint-Esprit comme remède efficace pour l'attachement à l'élection. Donc voilà les enseignements qui vont meubler le jeûne et prière. Et dans l'après-midi, il y aura un culte. Et on se sépare très tôt, on va se reposer et il y aura une grande veillée. Le vendredi, ça? Le vendredi. Une grande veillée à partir de 22h. De 22h à 3h du matin. Voilà. D'accord. Et le samedi? Le samedi, les enseignements vont toujours continuer. Nous avons des invités spéciaux là. Ils vont nous parler du concept « Un jeune ne dort pas ». Et ils vont livrer aussi tous ces enseignements. C'est un enseignement très important pour les jeunes. Ça va leur permettre de se réveiller, de s'outiller ou s'auto-entreprendre pour être à l'aise dans la vie chrétienne. Voilà, donc c'est un enseignement aussi important qui va apporter un plus à la vie de la jeunesse. Alors. Et puis, dans l'après-midi, bon, c'est de petits trucs, les concerts, etc., etc. On aura même à faire le recyclage de l'école de dimanche. Voilà, je suis le directeur de l'école de dimanche à Baguida. Et puis, je profite en même temps pour dire ça aux moniteurs. Ceux-là, les jeunes qui vont venir au camp, n'ont qu'à tenir les livrets et préparer la leçon. C'est la leçon 17. N'ont qu'à préparer la leçon 17. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les églises. Ils n'ont qu'à préparer la leçon 17 et c'est ce que nous allons enseigner au camp. Et donc, je demande à tous ceux-là de préparer la leçon. Et le samedi, à 16h, on va faire le risclage sous la patame pour préparer la leçon de dimanche. D'accord. Et le dimanche matin, maintenant, on commence par
l'école de dimanche. Mm-hmm. Après l'école de dimanche, on va donc commencer le culte proprement dit, où moi-même je suis animateur de programme. Mm-hmm. Et après ça, c'est la prédication et on aura le discours de fin, bien les mots de clôture du directeur régional et ainsi faire la convention. Exactement. Alors, voilà le programme déroulé. Alors, je vais essayer de faire un petit résumé. Le mercredi 7, c'est l'arrivée. Et puis déjà, à partir de 18h, il y aura une belle séance de prière. Et le jeudi matin, c'est l'ouverture qui sera dite par le révérend Atta Kossi et puis le révérend Chandao Mandatina. Ce sont les deux personnes qui seront chargées de cette ouverture-là. Et donc, dans la journée de vendredi, ce sera le jeûne et prière. Là, je veux venir à toi. Depuis quand? Quelle est la dernière fois? Tu as encore jeûné? Arrête-toi, stop là, s'il te plaît. À cette convention, fais un effort de jeûner. Vous savez, il y a une puissance dans le jeûne et la prière. Il y a des gens, ils peuvent rester toute une journée sans manger. Ils n'ont pas faim. Mais quand on parle de jeûne et prière, la faim les accable. Ils ont envie de mourir. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, s'il te plaît. Mais au cours de cette convention, fais un effort. Il faut débloquer cette situation. Tu verras qu'après ton départ de cette convention, tu vas commencer par jeûner. Et tu verras les choses que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Parce que Jésus-Christ a été notre modèle. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Est-ce que tu ne pourras pas faire un petit effort pour faire ce jeûne et prière, je crois, d'une demi-journée, M. Monté? Oui, bon, déjà à midi ou à 13h. 13h. 14h au plus. Oui, à 14h au plus, on se sépare. On va se séparer. Oui. D'accord. Ouais. Donc, ce serait ça. Et voilà, le vendredi, donc le samedi, ce serait les recyclages, les enseignants, enfin, il y aura plus des enseignements, je crois. Oui, bien. Il y aura un enseignement. Le samedi, un jeûne ne dort pas. Voilà, ce concept qui est créé afin de pouvoir réveiller les jeunes, ce concept sera là. Également, ils auront une foire et donc ce sera un très beau moment que je vais inviter tout un chacun à profiter pour pouvoir aussi raconter une histoire un jour à son enfant, dire, ben voilà, quand moi j'étais jeune, je faisais ci, je faisais ça. Hier, j'ai discuté avec un jeune. Il me disait, ben, notamment, c'est tu sais, quand moi j'étais dans mon église, là où tu me connaissais, je n'allais pas à la jeunesse. J'ai fait, oh, c'est vous ça, vous serez tous démasqués. Et lui particulièrement, c'était parce que son boulot ne permettait pas. Mais toi, je ne sais pas, peut-être ce qui t'occupe ou ce qui ne t'occupe pas, je vais quand même t'encourager à faire de grands efforts pendant que tu es encore jeune, parce qu'il y aura un temps où tu ne pourras plus faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc, le dimanche sera l'apothéose, qui sera vraiment un grand moment où nous allons partager ces temps-là de louange, d'adoration, de célébration, et puis clôturer cette convention de cette année en toute beauté. Alors, je prie que le Seigneur vous donne la capacité, la possibilité, tout ce qui constitue votre blocage aujourd'hui. Vous n'avez pas peut-être d'argent, vous avez des besoins, que le ciel vous permette de les satisfaire dans le nom de Jésus-Christ. Alors, inscrivez-vous, ceux-là qui ne se sont pas encore inscrits. Monsieur Monté, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne se sont pas encore inscrits. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bien, nous allons leur dire tout simplement que le bateau est déjà en marche, ils n'ont qu'à faire un effort rapidement pour être avec nous. Mmh. Voilà, effectivement, je ne suis pas encore inscrit parce que sur la question inscrite, on balance déjà la liste sur la bien plateforme. Sûr. Et puis, on leur demande de faire vivre. Ce n'est pas là-bas qu'ils vont s'inscrire. Ce n'est pas au camp qu'ils vont s'inscrire. Là-bas, ils viennent, on leur montre vraiment les logements et puis ça va. Mmh. Nous voudrons finaliser tout ici avant qu'on ne se retrouve là-bas. Mmh. Donc, j'exhorte les jeunes ou bien les églises, les jeunes qui n'ont pas encore poser ce tact-là, de le faire rapidement. Mmh. Et quand on parle de convention, c'est que c'est de l'argent. Hein? Et c'est... donc, qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers responsables des chats locales? Oui, je m'en vais d'abord remercier les responsables locaux des chats qui ne ménagent aucun effort pour que les choses se déroulent normalement. Bien sûr. On va leur dire de faire un effort. C'est vrai qu'on leur a demandé de petits quotas qu'ils sont en train de donner. Ouais. On se dit que c'est insuffisant. Le grand travail est à faire là, ce n'est pas facile. C'est des millions qui coulent là-bas. Bien sûr. On va demander aux jeunes. C'est nous-mêmes qui allons payer cet argent-là, c'est nous. Mm-hmm. C'est vous et nous, c'est les jeunes et nous. Donc, on demande à tous les jeunes de se mobiliser financièrement pour que là, quand on dit appel de fonds là, pour que chacun sorte, pour que chacun fasse preuve
de sa loyauté devant le Seigneur. Voilà. Et c'est ce que dit le concept « Un jeune ne dort pas » parce qu'ils ont fait un constat que dans les églises, quand on parle d'appel de fonds, ce sont les jeunes qui baissent la tête. Ils font semblant de regarder dans leur téléphone, mais en réalité, tristement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc, pour eux, ils veulent aider les jeunes à surpasser ces situations-là. Donc, je crois bien que dans cette convention, le Seigneur te fera du bien. Alors, qu'est-ce que nous allons encore dire dans cette émission? Monsieur Monté, vous disiez au début de cette émission que le comité est constitué d'un certain nombre de personnes. Voilà. Et voilà. Et est-ce que vous, rapidement, pouvez nous présenter ces personnes-là? Voilà. Donc, ici, le comité de la région Golfe-Est est composé de 7 membres. Mm-hmm. 7 membres. Le directeur régional, révérend Atta Kossi, qui est le directeur régional, et le secrétaire régional, qui est donc le pasteur Torko Kossi, et puis le secrétaire adjoint, c'est un laïc, c'est le frère Wilson Adjeté, Zachary Prince, et c'est lui le secrétaire régional adjoint. Et puis nous avons le trésorier. Le trésorier, c'est une place qui est laissée au pasteur également. Et c'est le pasteur Agbendou Kossi qui l'occupe. Mm-hmm. Et puis le secrétariat financier. Et c'est notre bien-aimée, notre sœur, chérie, journaliste, ici à la radio Télévision JVA. Et la sœur Ataglo Maoussé. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci je vous à en toi. Prie. Je vous en prie. Et donc prie. Le bureau est composé également de 2 conseillers, dont le premier, c'est moi, Moté Kofi et Vignon Dimermos. Yeah, c'est ça. Et la sœur, c'était pour Monique, qui est également conseillère. Voilà comment, bien, en somme, la présentation du bureau de la région Golfe-Est de la JADS. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes sur le terrain, le révérend Atta, le pasteur Agbienzo, le pasteur Toko, maître Zachary, la sœur Monique, merci à vous. Vous faites un travail énorme. Que le Seigneur vous rende tous vos efforts, parce que c'est pas facile. Je vois comment la distance, le directeur, dis donc, c'est génial. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous sommes reconnaissants que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous renouvelle les forces dans le nom de Jésus. Bientôt, nous serons ensemble. Alors, M. Moté, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire? Oui. Pour un mot, pour dire un mot, pour finir, pour conclure, nous avons vu le travail que les uns et les autres ont fait en amont. Surtout le président régional qui est maintenant le secrétaire général du bureau exécutif, révérend Tchadao Madatina, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce camp puisse avoir lieu. C'est vrai, c'est un cas de jeûne, mais il s'est mis, il est au fourreau au moulin. Voilà, il s'est vraiment impliqué, quoi. Il est au fourreau au moulin, c'est lui, il va là, il va ici, il est là-bas. Toutes les autorisations, Il encourage, vraiment. Et le bureau régional, par ma voix, nous lui disons merci. Et le directeur régional de la JAD aura le temps de le remercier publiquement prochainement quand nous serons au camp. Il va le remercier vivement. Merci beaucoup à lui. Et nous avons également vu le dévouement du pasteur Faingbe, du pasteur Amedome Kossi, du directeur anti-drogue également. Oui, oui. Ils nous ont beaucoup aidés. Je crois bien qu'ils auront aussi une communication à faire. Oui, ils auront une communication d'une trentaine de minutes. Ils vont nous parler de la drogue. Tests spéfiants qui ne sont pas bons pour les jeunes. Exact. Ils vont donc exhorter les jeunes à fuir donc ces choses. Et nous remercions tous ces gens-là. Sont eux qui nous ont aidés même à avoir le logement au lycée. Yeah. Merci vraiment à tout le monde. Merci à tout un chacun qui, de près, de loin, là, a mis quelque chose, a mis la main dans la pâte pour que la convention puisse tenir. Merci également aux différents groupes, aux différentes commissions, surtout la commission intercession, qui travaille aussi énormément, qui est dirigée par le frère Sewa, à Baguida, là-bas. Tu te dis que le dimanche, ils étaient là-bas. Ah, ils ont veillé, hein? Ils ont veillé là-bas pour revenir hier matin. Oh. Oui, donc vraiment, c'est des gens qu'il faut remercier. Il faut remercier que le Seigneur les bénisse. Il bénisse également tous les groupes qui sont actuellement à Bobo,
ceux qui font la PATAM, la sonorisation, tout cela. Mmh. Hier, nous étions là-bas quand ils amenaient les chaises, que le Seigneur les bénisse tous. Le groupe musical aussi. Le groupe musical, le groupe musical, le frère Didier, merci beaucoup. Mmh. Il faisait aussi plusieurs entraînements. Yeah. Et ce matin, déjà, ils vont se rendre là. Mmh. Ils nous ont appelé qu'ils vont partir aujourd'hui. Yeah. Voilà, donc les choses ont déjà commencé. C'est hein. ça. Si le groupe musical part déjà aujourd'hui, c'est que les choses ont commencé. Ah oui. Tous les jeunes sont déjà invités. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Monté. Je tiens aussi à remercier tous les responsables locaux qui ont déjà envoyé leur participation. Vous faites une œuvre énorme et je sais que le ciel vous récompensera. Et ceux-là qui n'ont pas encore emboîté leur pas, nous vous prions tout simplement de le faire. Et donc, les conditions d'accès à la PATAM, c'est quoi? Voilà, merci beaucoup. Une fois que les jeunes s'inscrivent chez nous, ou bien chez le trésorier, les quotas qui ont été donnés à chaque jade locale, quand ils amènent les fonds, ça leur donne droit au badge. D'accord. Donc quand ils arrivent là-bas, ils viennent seulement à notre niveau, ils prennent les badges et puis ils avancent. C'est ils ça. Se dirigent vers là. On ne va trouver aucun jeune sous la PATAM sans badge. Hier, déjà même, je suis allé voir la police pour qu'ils puissent nous aider pour la sécurité. D'accord. Il nous a promis de nous envoyer une dizaine de policiers qui seront là et ils vont faire sortir chaque jeune qui n'a pas de badge. Et également, ils vont nous donner également des agents de sécurité qui vont veiller sur, le lycée. Le lycée, voilà. Sur le lycée pour qu'il n'y ait pas du désordre, de vol, etc. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans cette émission, nous avions parlé de la convention régionale et des jeunes, précisément dans la région Golfe Est. Et ce matin, sur le plateau, c'est M. Moté Kofi Evignon qui était mon invité, bien sûr, parce qu'il est membre du comité régional des jeunes. Donc, c'est avec lui que j'ai élaboré sur les activités de la Convention des jeunes édition 2024 qui commence déjà demain à partir de 18h. Donc, l'arrivée, c'est demain. Déjà, le jeudi, c'est l'ouverture. Le vendredi, différentes activités qui seront suivies du jeûne et prière que nous encourageons et bien sûr tout le monde à pouvoir faire. Donc, le samedi, ce serait encore des enseignements. Le concept « Je ne dors pas » va passer. Eh bien, le dimanche, ce serait l'apothéose. Donc, tu es invité à faire le déplacement. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous sommes à la fin de cette émission, bien sûr. Monsieur Monté, est-ce que vous avez un tout dernier mot avant qu'on se sépare? Voilà, nous souhaitons bonne convention à tous les jeunes. Plein succès dans les différentes activités. Les orateurs nous le confient entre les mains du Seigneur. Mm-hmm. Le Seigneur les outils afin qu'ils puissent donner de bonnes communications aux jeunes, afin que ces jeunes-là soient donc, qu'ils demeurent une race élue, effectivement. Et nous disons merci à vous aussi. Je vous en prie. Qui êtes ici, qui ne cessez de vraiment motiver les jeunes par rapport aux posters, aux affiches que vous envoyez. Et ça nous a beaucoup aidé. Merci à vous merci également. À vous. Merci à tout le monde. Merci au comité régional que je viens de citer. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci au président national, révérend Diakouti Mitré. C'est vrai qu'il y a un nouveau qui est là, mais c'est lui qui avait vraiment abattu le travail en amont. Merci beaucoup à lui, que le Seigneur le bénisse. Bienvenue également au nouveau, révérend docteur Adadé, que le Seigneur le bénisse également. Mm-hmm. Merci à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Amen, que le Seigneur vous bénisse aussi, Monsieur Monté. On se retrouve dans quelques instants sur le lieu de la convention. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, cette émission s'arrête ici. Chers jeunes, tu es une race élue, attache-toi, c'est le thème de cette convention. Cette convention, ce n'est pas une occasion, c'est pas une excursion en fait. Ce n'est pas le lieu de distraction, non, mais c'est vraiment un moment qu'il faut consacrer à Dieu. Peut-être tu as prié depuis des années pour quelque chose. Est-ce que tu sais peut-être que c'est là que le Seigneur t'attend pour te donner ta réponse? Alors ne te laisse pas distraire, quelqu'un viendra te faire des propositions. Bien, on ne connaît pas là, viens, on va aller visiter. Non, concentre-toi sur ton objectif afin que tu ne repartes pas bredouille. Que le Seigneur te garde, jeune sentinelle, attache-toi. Amen, à très bientôt.